Bonjour à la maison, je m'appelle Giz et bienvenue à ce 99e épisode de Collectionner, c'est sérieux! Dans le dernier épisode, Laurent a dit la phrase suivante. Giz, perds du poids! Je t'ai entendu, Laurent, et je me suis muni de la meilleure coéquipière de tous les temps, la Wii Fit Trainer. Elle et moi, on se connaissait déjà. Elle est dans ma collection depuis le début, mais on s'était jamais vraiment parlé. Alors voilà, j'ai trouvé le kit Wii Fit. Ça coûte presque rien en ce moment parce que personne veut ça. J'ai payé ça un gros 25$. Donc, est-ce que tous les morceaux y sont? Oh mon Dieu! Il y a même le jeu! Mais d'abord, regardons l'objet lui-même. Not legal for trade? Genre, tu peux pas l'échanger. Mettons, tu dis, hey, je t'échange mon tapis de Wii Fit contre, mettons, Mario 64. Tu peux pas. Par contre, tu peux dire, hey, je te le vends 25$. Ça, c'est légal. Regardons à l'intérieur, il y a un système de batterie. Ça prend 1, 2, 3, 4 batteries. Ça, les batteries à la maison, pour ceux qui nous regardent, qui sont un peu plus jeunes, c'est ce qu'on utilisait à l'époque pour donner de l'électricité à nos appareils. Maintenant, vous avez des fils USB, hein? Vous prenez l'électricité. Salut Passe-Montagne. Pour acquis. Dans le désordre. Hey, pas juste mon corps, va falloir que je remette en forme. Ma diction aussi a de la misère. Alors, il est complet pour 25$, incluant le jeu, pour que je puisse me remettre en forme. Oui, oui. Est-ce que vous voulez voir mon oncle Giz essayer de faire du tapis sur Twitch? Devant vos yeux. Pour vrai, j'ai jamais vu, même pas un let's play. Je fais beaucoup de jokes par rapport à ça, mais j'ai aucune idée de quoi ça a l'air. Le jeu est là, le manuel est là. D'après moi, la personne l'a acheté un peu comme quand on s'achète un abonnement au Nautilus ou au Energy Cardio en janvier pour finalement ne plus jamais y aller. Je pense que c'est un peu ça qui s'est passé avec ce jeu-là. On a aussi les quatre petites pattes. Et parce que je suis un voisin exemplaire, j'ai aussi acheté un tapis. Hey, un 5$ bien investi. C'est la saison des résolutions. Ça vient avec le petit sac de transport. Est-ce que vous imaginez dans un centre de yoga arriver avec mon petit tapis de Wii Fit, mesdames et messieurs? C'est quoi ça? C'est une bavette. Donc, on peut aussi aller manger chez McDo. Comme ça, quand on postillonne des petits morceaux, ben on salit pas notre chandail. Merveilleux. Pour toi, Laurent. Puis en plus, à un moment donné, il me manque un green screen. Ben j'en ai un. Permaban! 25$ plus 5$, ça sent la bédaine qui s'en va. C'est beau s'entraîner rétro, mais je veux pas avoir l'idéal masculin de 2010. Non, non, monsieur, je veux l'idéal de corps des années 2020. Je me suis donc procuré un espèce de volant. Apparemment, c'est pas pour jouer à Mario Kart. Alors, il y a le jeu Ring Fit Aventure, qui est apparemment une espèce de RPG d'entraînement. À l'intérieur, on a le fameux ring. Je suppose que les Joy-Con vont ici. Ah, voilà, la prise à Joy-Con est là. J'ai bien hâte d'essayer ça. Et oui, je vais jouer à ça sur Twitch. Vous allez pouvoir rire de moi. Ou m'encourager. Il y a aussi un dernier morceau qui vient avec. Ah, ça c'est pour attacher l'autre Joy-Con sur notre jambe. Donc, entraînement des bras, entraînement des jambes. Mais moi, c'est ma bédaine que je veux perdre. En tout cas, on ira une chose à la fois. C'est pas encore rétro, fait que j'étais obligé d'aller au magasin des nouveaux jeux. Ils ont dit, c'est qui lui? Personne me reconnaissait. C'était super désagréable. Puis en plus, j'ai pas pu parler à personne parce que c'était sur Amazon. En parlant de faire des efforts, on avait besoin d'un moment wow, un jeu que personne s'attendait, quelque chose de magique pour ce 99e épisode de Collectionner, c'est sérieux. Quoi de mieux que le jeu Ski Alpin pour l'Odyssée 2? Regardez-moi ça, un beau jeu d'Odyssée 2 avec les boîtes super dures qui s'ouvrent même pas au complet. Hey, une cassette qui a l'air d'une boîte à lunch. Ça donne faim. Et on regarde à l'intérieur le manuel. On salue Manuel Urtubiz. Et à l'intérieur, on nous explique. On a marche et arrêt. C'est important. On a déjà un beau preview
des graphismes de feu. Puis là, ce qui se passe, là, c'est bien beau vous montrer des jeux. Par exemple, la Wii Fit, vous pouvez les regarder sur YouTube. Mais ski alpin sur Odyssey 2, c'est un peu plus difficile. Fait que pour vous, devant vos yeux, on sort l'Odyssey 2. Puis on va aller jouer maintenant à ski alpin. C'est parti! Alors Jérôme, j'ai pas eu le choix de te sortir de derrière la caméra parce que c'est un jeu qui se joue à deux. Dans ce temps-là, des intelligences artificielles, il y en avait très peu. Ouais, puis l'intelligence, ben, j'en ai. Alors, on a le choix entre le slalom géant, le downhill, ou... voilà, c'est, on a trois épreuves, Donc, on va y aller avec le giant slalom. Oh oui, tant qu'à y aller, on va y aller gros. Let's go! Toi, t'es à gauche, moi, je suis à droite, je pense. Moi, je vais entre les portes. Oh yeah! Ah ouais. Je pense que t'es de se dire que quelqu'un fait quelque chose de pas correct. Comment ça, toi, t'as un timer, puis moi, j'ai des points? Je comprends rien. C'est peut-être le même temps pour les deux. Ah, ok, fait que là, c'est comme un effort d'équipe, genre? C'est pas clair. Ok, ça va très bien. Record du monde, je suis en forme, je suis les Olympiques. Il va falloir appeler Twin Galaxies puis leur dire qu'on speedrun that shit, là. Ah ouais, accélère! Ah! Oh! Pourquoi ça fait de... C'est-tu toi? On sait même pas c'est qui fait l'erreur. On sait même pas si c'est une erreur, peut-être que le jeu est content puis on le sait pas, là. En tout cas, la manette est très confortable. Ouais, hein? Je croirais rêver. Finish! T'es finlandais, Giz? Alors, moi j'ai eu 54,3 secondes. Et moi, j'ai eu 23 points. C'était ski alpin. 54,3 secondes à 23 points. Qui a gagné? C'est à vous d'en juger. 5$. 2 minutes de fun. Ça fait combien de l'heure, ça? C'est 2,5$ de la minute de fun. On salue Jojo Savard. Ce qui est le fun avec les jeux d'Odyssée, c'est que souvent, ils sont affichés à un prix. 10$ dans celui-là. Puis sans qu'on négocie, souvent, le propriétaire va dire « Ah, je te le fais à 5$ », puis il va dire « Ah, putain, j'en ai trouvé un autre en arrière, t'en prends-les. » Dans ce cas-ci, c'est une boîte vide, puis bon, elle est brisée un peu, mais si jamais je retrouve Alien Invader Plus, ben je vais avoir une boîte de plus. Full set de Odyssey 2 pour 2020. On s'en fout super gros. Bon, c'est bien beau le sport, mais il n'y a pas juste ça dans la vie. Hein? Il y a aussi Zelda. Je vous ai déjà présenté ma collection de Zelda en boîte. Il y avait la version avec le seau blanc, la version avec le seau gris, la version classique qui contient la cassette de couleur grise au lieu de couleur or, et la version Mattel qui est la version canadienne. Eh bien, croyez-le ou non, j'ai trouvé deux autres boîtes de deux autres variantes toujours canadienne. On va regarder ça ensemble. Premièrement, j'ai trouvé un complet en boîte et l'autre manque la cassette. De plus, cette variante-là, malheureusement, elle a vécu un meilleur passé. L'arrière de la boîte est foutu. Mais on me l'a donné avec le lot, donc j'étais content d'ajouter une autre variante et je vais maintenant devoir en trouver une plus jolie. Mais regardons les différences de plus près. On a donc deux boîtes qui indiquent Mattel. Comme les versions américaines, on a une qui contient un seau blanc, alors qu'on en a une autre qui contient le seau gris. On a donc une troisième version qui ne contient pas le mot Mattel. On voit que les trois sont en français et en anglais, du moins sur la boîte parce que le jeu est entièrement en anglais. Et si on regarde à l'arrière, malgré le fait qu'on en a un qu'on peut pas très bien voir, le texte est quand même identique. Il y a juste la typographie qui change dans cette version, c'est écrit un petit peu plus petit. Dans ma version, j'avais le manuel en bilingue, c'est très important, cartes et stratégies ainsi que maps and strategies, et la cassette avait le seau blanc. Je me demande s'il n'y en a pas une canadienne avec le seau gris pour matcher ici. À suivre. Maintenant, dans celui du milieu, avec la boîte un peu capoute, eh bien, j'avais le manuel canadien. C'est le manuel Mattel. Et puis, on peut voir que c'est NES Can Tradition 1. Donc, je crois que je pourrais ajouter ce manuel à celui-ci. On garde cette boîte qui est un peu maganée,
toute seule en attendant de lui trouver une cassette, un manuel et une map. Pour terminer, l'autre complet en boîte qu'on a acheté cette semaine, on a un petit collant à l'arrière, ça sera pas facile à enlever. Il y a même un petit plastique, ça on aime ça. Évidemment, quand on dit un jeu de Zelda, on dit pochette de Nintendo, on va la mettre de côté parce qu'on le sait que c'est ça qui va dedans. Et on en ajoutera une. Ici, elle est juste restée à l'intérieur. Je l'avais pas sortie, ne vous en faites pas. On a toujours une cassette écrite NES ZL Can pour Canada. Le sceau est toujours blanc sur la version canadienne. On a un autre manuel qui, lui aussi, est le manuel avec NES ZL Can 1. Et puis, on a encore une map toujours en bilingue. You ask for it, here it is, the complete guide, blablabla. Vous l'avez demandé, le voici, guide complet, blablabla. Même les blablabla sont en bilingue. Et on avait des inserts supplémentaires dans cette version-là. Devenez membre du club Nintendo, c'est très important. Ça ouvre donc une boîte de Pandore pour moi, parce que j'avais déjà identifié plusieurs variantes nord-américaines NTSC. Et puis là, on ajoute les versions canadiennes à ça, on en a déjà trois. On va étudier le dossier et je vous reviens plus tard lorsque ce sera mis à jour. En résumé, j'ai payé 100$ pour un jeu complet en boîte avec le manuel et la map, plus une boîte qui avait aussi un manuel mais qui est dans un état pas très collectionnable. C'est quand même acceptable parce que les jeux de Zelda ont toujours eu la cote et on les voit souvent partir pour plus cher que ça, même lorsqu'ils sont en mauvais état. Fait que ça fait 6 variantes nord-américaines, incluant 3 canadiennes. Alors voilà, c'est déjà tout pour cet épisode. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous aimez ça quand on prend le temps de brancher une vieille console pour vous montrer un jeu. Le prochain épisode, c'est le 100. Si vous avez hâte au 100e, mettez un pouce. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et on se revoit pour la surprise. Quand? Je sais pas. Je sais rien.